mon pote. Je viens de rentrer de mon break. J'aimerais partager avec toi un truc que m'a appris cette valise. C'est tout de suite. Roulez. Donc pour te donner un peu de contexte, dans cette valise, j'ai emmené tout un tas d'affaires que je kiffe pour aller bosser en remote pendant 3 semaines dans le sud. D'ailleurs, j'ai sorti une petite vidéo la semaine dernière. Je te mets le lien en haut si ça t'intéresse. Donc le jour où je suis rentré, j'ai dû ressortir tout de suite assez rapidement. Et donc j'avais pas le temps de défaire ma valise. Je me suis rendu compte que j'arrivais pas à me décider sur le choix des sables que je devais mettre. En fait, tout ce qu'il y avait dans mon armoire, hormis ce qu'il y avait dans cette valise, c'était des choses qui me plaisaient pas en fait, que j'avais pas envie d'utiliser. Et donc je suis resté devant mon armoire sans vraiment savoir quoi mettre. Donc je me suis rendu compte que j'avais beaucoup de choses dans mon armoire très peu utiles, que potentiellement les jours où je devais préparer mes affaires, je devais perdre sûrement pas mal de temps. Qu'en gros il y avait 2 jeans et 4-5 t-shirts que j'aimais vraiment, et que le reste bah, je les mettais que quand j'avais pas le choix en fait. Et du coup j'ai monté une équipe de folie avec mon fils, le gars qui habite dans ce petit tipi que tu vois au fond, et que du coup on allait essayer de trouver une solution à ce problème là. D'ailleurs mon fils m'a inspiré sur 2 trucs pendant cette sortie que j'aimerais bien partager avec toi. J'en profiterai pour le faire à la fin de cette vidéo. L'idée c'est, si j'ai que des fringues que j'aime et j'en ai assez pour pas être en galère, j'ai simplement à faire une pile et le matin à prendre à chaque fois le premier de la pile. D'ailleurs j'ai une petite technique bonus, c'est de pas préparer tes affaires le matin quand tu vas t'habiller, mais plutôt la veille. Et comme ça le matin tu te focuses uniquement sur les trucs très importants, tu vas à la douche, tu t'habilles et tu commences à travailler. Du coup j'avais remarqué que sur les vêtements que je kiffais, c'était toujours la même marque qui revenait. Je me suis dit tu vas dans ce magasin là, tu te prends 3 jeans que tu kiffes avec la même coupe, au pire tu changes juste les couleurs, tu te prends 10 fois le même t-shirt, et comme ça tu seras tranquille. Et au final, tout ce que j'aime pas, je le mettrai sur la table, et ensuite, je pourrai le donner à une association ou à n'importe qui voudra. C'est que j'ai déjà fait un repasse comme ça, mais c'était toujours en mode un peu light, tu vois. Je dis non, mais ce truc là, et puis les trucs qu'on t'a offert, mais que t'oses pas, parce que voilà. Et voilà. Donc là j'ai dit non, c'est fini. Et du coup si tu valides toi aussi les choix que Zach a fait, alors je t'invite à mettre un petit pouce bleu. Et si tu valides pas, et ben tu mets l'autre pouce, celui des gens du mal. Hein? Bah oui, il faut choisir son camp. Comme disait Oxmo, c'est chacun son camp. Alors t'auras remarqué que c'est pas une vidéo où je parle de code comme d'habitude. Du coup, en vrai, ça m'a fait penser au concept de KISS. Keep it simple, stupid. Qu'on utilise en programmation pour dire on va essayer de se focaliser sur l'essentiel. On va essayer de garder les choses le plus simple possible et pas se surcharger de complexité inutile. Ici, c'est un peu la même démarche. Là, j'ai pris l'exemple des fringues parce qu'il m'arrivait cette péripétie avec la valise et je trouvais l'histoire sympa, la métaphore parlante. Mais ça marche avec tout, ça marche avec ton bureau, ta cuisine, ton salon. Et très souvent, on me demande bah, comment tu fais pour avoir un gosse, faire des vidéos, open source, et en plus tu travailles, donc tu as un job à plein temps. Sur toutes les tâches très répétitives, j'essaie de faire à ce que je perde le moins de temps et que je sois le plus organisé possible. Et ça passe par enlever le superflu en fait. On a tout un tas des fois de babioles ou de choses. Il faut se repenser, il faut reconsidérer ces choix-là et se dire est-ce que ça m'apporte vraiment du bonheur, est-ce que c'est cool, est-ce que j'aime ça. Donc il peut y avoir des choses qui peuvent être utiles,
mais il peut y avoir des choses qui nous procurent du bonheur juste parce qu'elles nous évoquent un souvenir ou quelque chose, et c'est cool, c'est ok de les avoir, mais il faut au moins se reposer cette question là pour être capable de faire le tri. Et je sais que moi depuis le début de l'année, c'est un truc que je fais pas mal. Il y a deux choses que je dis pas du tout dans cette vidéo et qu'il faut pas comprendre. La première chose, c'est que tu dois aller te racheter des vêtements pour rendre les choses simples. Si t'as assez de vêtements, une fois que t'as élagué les trucs que t'aimais pas, c'est cool, et bah c'est cool. Si c'est cool, c'est cool. Parce que si c'est cool. En gros, ce que je veux dire, c'est que si t'as assez de vêtements, une fois que t'as enlevé le surplus, ne va pas en racheter inutilement. Et la deuxième chose, c'est de pas jeter les choses que t'as en trop, en fait. C'est d'aller les donner à une assos ou à quelqu'un. Bon, on a trouvé tout ce qu'il nous faut, tu penses? On peut rentrer à la maison maintenant? Cool, non? Top là! Vraiment, voilà. On va être top là. Wow, tu frappes ton père. Calme-toi. D'accord, je me calme. Faut se calmer, hein, les gens. Calme. J'avais promis de vous parler de deux choses que l'habitant de ce petit tipi m'a permis de comprendre durant ce vlog. Rapidement, la première chose, je l'ai vu répéter pendant qu'il jouait peut-être 30 fois le même jeu jusqu'à ce qu'il arrive à se sentir à l'aise. C'est qu'en gros, par exemple, ce puzzle-là, on l'a déjà fait peut-être 200 fois et il s'arrête pas de le faire jusqu'à ce qu'il se sente à l'aise, en fait. Il faudrait que nous aussi, en tant qu'adultes et grands, en gros, dans le dev, on n'ait pas de problème à répéter les choses jusqu'à ce qu'on les maîtrise. Et la deuxième chose, c'est qu'à un moment donné, il a vu un jouet qui était pour les plus grands, il a vu un plus grand avec, et il a été lui demander, en gros, il l'a approché pour essayer de savoir s'il faisait bien le jeu, ou s'il pouvait faire, ou s'il pouvait avoir des infos. Ça m'a fait penser au mentoring. Et du coup, c'est aussi une bonne chose, qu'on devrait plus souvent s'inspirer des gosses qui naturellement ont des comportements assez cool. Bon voilà, ce plan va à volo. Voilà, on fiche avec la caméra. Regarde, ça va. Là, on va. Tu répares la caméra? La caméra.